Un retour sur les TX4 de la Sportiva, qui sont des chaussures d'approche. Alors, ce qui est surprenant pour moi d'abord, c'est le chaussant. C'est une chaussure qui est quand même vraiment large devant. Hein. Voilà, c'est vraiment pour les pieds épatés devant, je trouve. Après, c'est une chaussure qui a un problème de taille, parce que je trouve que c'est pas normal qu'il faille prendre quasiment deux tailles en dessous de sa pointure normale pour avoir le bon chaussant. Bon, là, je ne sais pas ce qui se passe. Sinon, c'est une chaussure qui est très, très enveloppante. La semelle intérieure, la semelle de propreté, bon, est assez minimaliste, mais elle est quand même dans un matériau assez dense. Bon, de toute façon, elle sera avantageusement changée au bout d'un moment. Voilà. Alors, c'est une chaussure qui est super confortable. Enfin, c'est quasiment une pantoufle. Hein. C'est une chaussure qui est super confortable pour la marche. Et pour l'escalade, alors, elle est surprenante parce que, évidemment, elle est très large devant, donc c'est pas très précis. Hein, on ne peut pas dire que ça soit précis, mais la semelle a une densité et une adhérence. Enfin, c'est une semelle à picot. Voilà. Et alors, ici, une climbing zone. Et alors, elle a une adhérence et pas mal de densité au niveau du talon et ici, là, sur les renforts, ce qui fait qu'on peut vraiment écraser les prises. Et finalement, j'étais vraiment étonné de voir à quel point ça passe. Ça passe pas en finesse, mais elle accroche. Même en quart interne et en quart externe, elle accroche quand même les petits rebords, les petites prises, voilà. Alors, ce qu'on perd en précision, puis c'est pas vraiment c'est pas du tout rigide, hein, c'est la pantoufle. Hein. Donc, c'est un peu plus rigide, il y a un peu plus de densité au niveau de la prise talon avec un amorti qui est pas mal. Mais pour la grimpe, il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de précision parce qu'elle est large et pâtée, mais il y a une possibilité d'accrocher les prises. Et du coup, on arrive à des performances qui sont vraiment intéressantes, quoi. Alors, ça sera quand même une godasse qui sera plus indiquée pour les gens qui ont un pied large devant. Hein. Du coup, on aura plus de sensations. Moi, c'est pas mon cas, j'ai des pieds fins. Donc là, je suis un petit peu orphelin avec ce genre de taillon, quoi. Voilà.